Lundi, on l'a côtoyé lundi avec Michel Petit, mais non, il n'en parlait pas, il est pas du tout, non. Et le fermier, lui, on parlait de ça, tout ça? Non. Mais il était moins investi sur la commune que Monsieur Ah oui, non, on ne voyait pas, on le voyait rien sur la commune. On le voyait rien, il ne sortait pas, il était un peu. Bon, il vivait seul, enfin, avec son père. Avec son père, ouais. Avec son père qui a 90. Non, mais c'est. Non, pour bon, nous, c'est une grosse perte, vraiment, M. Daniel, c'est une figure qui part. Hein. Oui. Une figure, hein. Oui. Donc c'est une grosse perte pour vous. Ah ben c'est sûr. Pour nous, pour notre commune, c'est gros. Non, puis l'homme était. Ouais. L'homme était très. Parce qu'il faisait pas voir la différence qu'on avait. Hein. Non. Ah bon, non, il est venu dîner à la maison combien de fois, mais. Et vous dites qu'il a été généreux aussi avec la commune. Mais il est généreux avec la commune, je vous dis. Il participait au repas des aînés. Le repas des aînés, on le faisait faire. Il participait, il donnait un chèque. Lundi soir, il donnait un chèque pour la sauvegarde du patrimoine. Mais discrètement. Parce que nous, on s'est rendu compte de. Pour le repas des aînés, il venait, il portait son chèque, mais bon, il voulait pas que ça se sache. Bon, moi, je disais après la population, c'est normal. Mais il n'était pas à se faire voir comme ça. Mais voilà. Tous les ans, on avait notre chèque. Hein? Non, c'est dramatique. En arrivé là, c'est la façon. C'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Bon.